là. Ah, c'est bon, madame, là. C'est bon. Merci les garçons, hein. Heureusement qu'il y a des charmants jeunes hommes comme vous pour m'aider. Hein? On dit que les noirs ont une peau bizarre, mais autant aussi t'as une peau rigolote, hein? C'est normal, madame, qu'on file un coup de main, on a un grand cœur, nous. Ah ouais, merci. Surtout avec les personnes âgées. Merci beaucoup. Par contre, l'ascenseur est bloqué, faut monter ça au 8e, hein. Les garçons! Les garçons, revenez ici! Les enfants de Satan! Enfants de Lucifer! Abalez peut-être au Satanas! Voilà! C'est toujours la même chose, voilà, c'est toujours pareil, hein. Regarde-moi ces lunettes, la tienne pas. Bon, on va mettre ça dans les sacs, hein. Voilà. Voilà, c'est toujours la même chose. Hein? Qui c'est qui fait les courses à 68 ans? C'est Marie-Claude Boisbandé. Voilà. Qui c'est qui change les draps de Bruno alors qu'il a 26 ans? C'est Marie-Claude Boisbandé. Qui c'est qui doit monter 8 étages avec de l'asthme, les problèmes de vue et les derrière d'un éléphant? Marie-Claude, pas bandé, vous, moi, vous me comprenez. Hein? Mais Marie-Claude, elle est fatiguée, Marie-Claude. Marie-Claude, elle est fatiguée, Marie-Claude. Ma Marie-Claude, elle est fatiguée, Marie-Claude. Oui, j'ai Alzheimer aussi. Ah. C'est pas possible. Hein? Ah. Ah. Allez, on va se débrouiller toute seule. Hein? On va monter ça au 8e étage, comme une brave femme. Voilà. C'est pas facile, voilà, des enfants qui vous aident pas comme ça, là. Regardez-moi dans quel état sont ces escaliers, là. Partout, il y a des cigarettes de drogue. Partout. Bah, tous les jours, j'en ramasse. Tous les jours. Si j'en ramasse tellement bientôt, je vais ouvrir un bureau de tabac. Et pourquoi pas un coffee shop pendant qu'on y est? Fumer, boire, bander. Voilà, c'est comme ça. Ah là là, allez, si je me débrouille bien, il est 14h. Je peux arriver à temps pour plus belle la vie, hein. Voilà. On est déjà au 3e étage, vive la télé, hein? Mais c'est quoi c'est... Non, vraiment, ces jeunes-là, on dirait qu'ils n'ont pas de toilette à la maison. Madame Dupontin, bonjour. Eh bien, on dirait qu'il n'y a pas que les jeunes qui n'ont pas de toilette, hein? Mais madame... Oh, madame Dupontin, mais tenez, prenez ça au moins. Non, restez à votre place, tenez. Voilà. Eh bien, dis donc. Comment ça va depuis la semaine dernière, madame Dupontin? Eh bien, c'est bien, madame Dupontin, on avance 2 étages en une semaine. Encore une semaine et vous serez à la maison, madame Dupontin. Très bien, madame Dupontin. Je suis contente. Il faut se motiver. Par contre, il faudra prendre une bonne douche, hein. N'hésitez pas à mélanger White Spirit et au Javel, hein. Ah, madame Dupontin. Ah là là, en tout cas, vous avez du mérite, hein. C'est vrai que c'est pas facile avec un fauteuil roulant sur le dos. Ah ouais. Allez, bon courage, madame Dupontin. Attendez. Ah, voilà, il ne faut pas... Ah, madame Dupontin, c'est pas gagné, hein, la pauvre. Voilà. Bon, on a 4e étage. Bonjour, monsieur Tandoori, comment allez-vous? Hein? Comment va madame Curie? Je déconne, c'est la rigolade. Hein? Non, je ne veux pas de petite voiture électrique. Non, je ne veux pas de bonhomme qui colle au mur. Non, je ne veux pas de rose. D'ailleurs, il va falloir arrêter de voler les fleurs sur le balcon des voisins. Hein? Non, je cherche un nouveau film. Vous avez Zipompiste, avec Jean du Garage. Eh bien, ah, c'est la version hindoue. D'accord, bon, ben, je te prends ça. Par contre, je ne sais pas quel livre de cuisine vous avez donné à mon mari la semaine dernière. Hein? Mais en tout cas, depuis, je ne fais que dépasser à la casserole. Hein? Il est tout content. Oui, chérie, j'ai un bon karma sutra, tout ça. Hein? Il est content. Allez, monsieur Tandoori, à la semaine prochaine. Vous dites bonjour à madame Basmati. Je déconne. Ah là là, ce petit Tandoori là, il est marrant. Hein? Vraiment, il est marrant. Voilà, ça c'est encore Rachid qui répète pour n'oublier pas les paroles. Mais il faut lui dire que c'est des paroles en français qu'il faut retenir. Ah là là, ce Rachid là, vraiment, toujours, il va me faire rigoler, toujours. Hein? Allez, encore un petit... Mamadou, viens ici. Qu'est-ce que je t'ai dit la semaine dernière?
Je t'ai dit, si tu continues à jouer au ballon dans les escaliers, je vais taper les fesses tellement fort que tu vas voir celle de Tati Boisbandé, hein. Tu veux la fête de Tati Boisbandé? Allez, file. Non, vraiment, cet enfant-là, il faut que j'en touche de moi à sa maman, hein. Le pauvre. Il doit même pas savoir qui est sa maman avec les sept femmes de son père. Eh oui. Allez, encore un petit effort. Allez. Ah là là. Bonjour, madame Diakité. Eh bien, ça vous a pas arrangé, ces 18 grossesses, hein? Dites-moi, madame Diakité, vous êtes toujours en situation illégale. Très bien. Eh bien, écoutez, le petit dont je ne sais pas qui est la maman, et je ne veux pas le savoir, c'est soit il arrête de jouer au ballon dans les escaliers, soit c'est aller simple à Dakar pour toute la famille. On est d'accord? Très bien. Allez. Voilà. C'est bon. Non. Faut vraiment qu'il répare cet ascenseur-là. Ahmed Silla et ses 8 étages, des 15, des 16, à 14. La note du public ici, dans les studios du Moulin, 17, c'est formidable. Merci beaucoup à tout le monde. Hein. Merci, et vous les téléspectateurs, alors. Ceux qui ont appelé France 2 ou envoyé un texto, ils vous ont donné... 17. Merci beaucoup, non vraiment, c'est gentil. Voilà, plein de bisous à tout le monde. Abonnez-vous en cliquant ici.